Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un mukbang version estomac de Wistiti avec des croquettes de fromage. Donc je vous avais fait un sondage sur Instagram pour voir si pour cette vidéo d'aujourd'hui vous préfériez un mini mukbang ou le random color challenge. Vous avez voté majoritairement pour le mukbang, donc je remarque écoute comme toujours. Et du coup, j'en ai pas refait depuis le premier. Je vous remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu, parce que je vous avais dit que ça serait avec les croquettes de fromage, sauf que j'avais tout le temps des restes, donc je savais pas. Voilà, vaut mieux que je mange ce qui est déjà cuit. Et là, du coup, je me suis fait des croquettes de fromage. Voilà. Donc je vais vous montrer ma recette. Attention, très compliquée. Il vous faut un bout de pain. Donc moi, c'est un tiers de baguette sans le cucu. Et je vais enlever la mie aussi, parce que sinon c'est trop pour moi si elle a mis du pain dedans. Donc c'est une à faire cuire soi-même de chez Aldi. Les croquettes de fromage viennent de chez Aldi aussi. Donc voilà, j'ai enlevé la mie, là je l'ai un peu trop cuite. Donc mon mari serait là, dirait encore que même des baguettes, je ne sais pas faire à manger. Voilà. Ensuite vous prenez une croquette de fromage, que je mets dans ce sens-là pour qu'il y ait plus de goût. On l'écrase, oui, parce que sinon c'est pas, c'est moins bon si c'est pas écrasé. Je prends une deuxième croquette de fromage que j'écrase de l'autre côté. Donc ça fait beaucoup de fromage, mais comme moi je mange pas des grosses quantités, j'aime bien que ça ait beaucoup de goût. Vous voyez, sinon c'est pas bon. Après, c'est vrai que là j'aurais pu en mettre qu'une, hein, parce que ça fait une grosse dose de croquettes. Non, on s'en fout. Je replie ma baguette, ça va dégueuler de partout quand je vais mordre dedans, ça dégueule déjà de partout. Je vais l'écraser un petit coup parce que, voilà, vous pouvez entendre au bruit que c'est bien croustillant, le pain va être bien croustillant. Donc, ma baguette, je vais rien dire, on va manger, je ne vais rien dire. Et ensuite, bah d'abord je mange le fromage qui dépasse. On croit bon. Voilà. Ce make-up, vous l'aurez en vidéo. Merci. Voilà. Bon appétit à ceux qui mangent avec moi. Donc, bien sûr, je vais être totalement impoli puisque je vais parler souvent la bouche pleine. Et vous allez entendre des bruits de bouche, forcément. C'est un mukbang, je mange. Donc, voilà. Quoi qu'après, normalement, je ne fais pas trop de bruit de bouche en mangeant parce que j'ai horreur de ça. Voilà, ça m'exaspère. Mais mon projet cabaret, on s'en fout. Donc sinon, pour vous taper la causette en même temps que je mange, puisque je peux pas manger trop vite non plus, dans le dernier mukbang, donc dans le seul que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vous parlais que pour mes économies, pour mes dents et tout ça. Sauf que pour mes dents, on a trouvé quelques petites solutions qui peuvent être... faites, sauf si je mise sur l'esthétique, quoi. Si je veux les faire de façon esthétique, là c'est de l'esthétisme, donc pas du tout remboursé. Maintenant, si elle tombe, on va jouer avec l'assurance de mon frère. Pour que ce soit entièrement pris en charge. Voilà. Mais... mes économies sont à zéro. Voilà, je vous l'ai dit dans le vlog hier. J'ai vraiment exagéré. Ce mois-ci, je suis désolée. Pourtant, vous m'avez quand même beaucoup soutenu. Mais moralement, ça va pas trop en ce moment. Donc, financièrement, ça va pas du tout non plus. Puisque, voilà, quand je suis pas bien, j'achète. Comme beaucoup de femmes. Mais là, il faut vraiment que je me reprenne en main. Parce que mon Mac est en train de me lâcher. Le ventilateur tourne en boucle, il chauffe, les ralentis, j'ai des lignes qui s'affichent dedans pendant vraiment une fraction de seconde, mais voilà, des fois quand je clique, ça fait des petites lignes comme ça. Je me suis mouchée, donc mon fond de teint s'est barré de mon nez. Et donc, je vais devoir mettre de côté pour acheter un Mac. tout simplement. J'ai hésité avec un... parce que j'ai envie de prendre un MacBook que je garderai essentiellement pour faire les montages, parce que plus de Mac égale plus de vidéos. Si j'ai plus mes vidéos, je deviens folle, Si je sais plus faire de vidéos, alors oui, le montage, je peux le faire ailleurs. J'ai hésité entre un PC basique, un Windows ou un Mac, mais je suis tellement habituée sur Mac, je suis tellement habituée avec le Final Cut Pro pour mes montages que je ne pourrais pas changer. Donc, j'essaye de mettre de côté pour me racheter un MacBook, notamment, qui sera dédié exclusivement à YouTube, en fait, juste pour faire les montages, uploader les vidéos et tout ça. Aller sur Internet, c'est le but, et ça me prend pas de mémoire. Ça ne fait pas tourner le PC dans le vide non plus. Et comme ça, je garde mon gros Mac de bureau pour mes jeux, bien que je ne joue plus beaucoup en ce moment. Et pour comment ça s'appelle, pour regarder les vidéos, mes séries sur Amazon, Netflix et tout ça. Tant qu'il tient le coup pour ça, je vais pas le jeter, quoi. Mais pour le montage, ça commence à être dur parce que des fois je dois attendre qu'il arrête de réfléchir, de se ventiler. Donc ça devient compliqué. J'en ai vu un en promo sur MediaMarkt, mais j'ai pas les sous, donc on va attendre un peu. C'est bon, c'est mon jeu encore une fois. Donc tout ça pour vous dire de lâchez pas l'affaire. Toutes les pubs que vous regardez, ça va m'aider encore avec la monétisation, les dons sur Tipeee si jamais. Quand vous utilisez mon code promo chez Nox, ma vitrine Amazon, ça m'aide. Si vous... J'utilisais mon lien iGral aussi, mon lien de parrainage, ça m'aide aussi. Puisque je gagne 3 € à chaque nouveau filleul sur iGral, vous aussi. Et après, je gagne 10% de votre cashback, donc c'est rien du tout, je gagne par 10 centimes. Hein. Mais... ça fait depuis 2014 que je suis dessus, je crois. Donc ça me permet de temps en temps de resserrer un petit 20 € et c'est toujours ça à mettre de côté. Hein. Plus les ventes Vinted aussi, donc ça peut relativement aller vite. Hein. J'espère juste que le gros va me tenir le coup jusqu'à ce que j'en ai un autre. C'est quoi qui bip? Un camion qui fait marche arrière, je crois. Parce que là, si je repassais sur Windows, mon Dieu, ça fait 7 ou 8 ans que je suis sur Mac maintenant. Et comme je disais dans le blog, autant l'iPhone, je rachèterais plus un iPhone, je préfère les Samsung que PC. Je ne saurais pas repasser un Windows, quoi. Wow. C'est une fois qu'on est habitué, ça va tout seul. Mon programme de montage, je vous dis, je peux faire les montages les yeux fermés, tellement je connais les touches par cœur, je connais le nom des transitions, des effets, enfin de tout. Donc forcément, je fais les montages dessus depuis 6 ans aussi, je crois. 5 ou 6 ans. Donc forcément, je le connais par cœur, ce programme, et j'ai pas envie de changer. Il y a Filmora qui ressemble un peu, mais sur mon Mac, il tourne pas, il est trop vieux en même temps, mon Mac aussi, quoi. Je suis sous Catalina encore. Donc j'ai plein de nouvelles fonctionnalités qui ne fonctionnent pas sur mon Mac. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais me reprendre en main, je vous promets. Je compte sur vous pour arrêter de me demander si je vais acheter ça, si je vais acheter ça. Les seuls trucs que je vais vraiment m'autoriser à acheter, c'est les flawless quand elles sortiront, puisque ça, je fais la collection. Après, j'ai pas que je peux rien acheter non plus, hein. Mais j'ai vraiment essayé de limiter au maximum. Au maximum, je vais aller vite pour changer de PC, pour être sûr, parce que je vous dis, si je me retrouve à ne plus pouvoir faire de vidéos, je deviens dingue, mais complètement dingue. Après, c'est pas que je pourrais plus en faire, je pourrais toujours m'habituer sur un autre programme de montage et tout ça, mais ça va me prendre beaucoup plus de temps, plus de stress et tout ça. J'ai peur que ça me dégoûte un peu, enfin que ça m'énerve de trop et que j'ai plus envie de filmer après. Voilà. Sinon, vous mangez quoi de bon, vous, en même temps que vous me regardez, là? Racontez-moi un peu tout, en commentaire. Alors, je sais que c'est des mukbangs qui vont relativement très vite chez moi, puisque, voilà, vous avez vu ce que je mange. Là, je cale déjà. Hein. Je vais quand même me forcer à manger le reste. Je mange beaucoup trop vite aussi. Ce qui n'est pas bon quand vous avez une opération bariatrique. C'est du fait que j'attends toujours la dernière minute pour manger. Donc je crève vraiment la dalle et après, comme j'ai vraiment faim, je me dépêche à manger. Je devrais m'habituer à manger vraiment à heure fixe, mais des fois il est 16 h et je me rends compte que oh tiens, j'ai oublié de manger aujourd'hui. Parce que je ressens la faim maintenant depuis ouais, plus d'un an. Mais je la ressens pas assez, assez longtemps, j'ai envie que je crois. Parce que des fois, j'ai l'estomac qui va gargouiller 2 fois, puis je vais boire 2 gorgées de café, ça va totalement passer, puisque ça va me bloquer l'estomac. Et donc après, j'oublie que j'ai eu faim. Et des fois, quand j'enchaîne plusieurs vidéos comme ça, comme j'enchaîne en principe les montages juste derrière, ben, ma journée se finit 4-5 heures pour YouTube. Et là, je me dis, oh, tiens, t'as pas mangé. Ah. Bah, c'est bien bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des croquettes de fromage. Mon obsession du moment, c'est les croque-monsieur avec du salami. J'ai toujours les obsessions, que ce soit un truc ou l'autre, hein. Ça et la sauce fromage chez Aldi pour mettre dans les pâtes. Mon dieu. Je ferai comme mes pâtes avec ça et les gosserolles. Voilà. Je me fais manger. Bon, pas l'ami du pain. Hein. Si elle a mis avec, je sais pas manger. Maintenant, ça va coincer derrière ma tige de contention. Ah, contention, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, je crois. Ma tige pour pas que mes dents elles tombent là. Voilà, pour pas qu'elles bougent. Mais du coup, je me disais, vu que j'ai la tige qui renie toutes les dents ensemble pour pas qu'elles tombent, qu'elles bougent, si j'en ai une qui tombe, toutes les autres tombent avec. Ça va s'enlever comme ça, quoi. Voilà. Donc pour les assurances, on dira que le chien de mon frère m'a fait tomber et puis que j'ai perdu mes dents. Normalement, ça devrait passer crème. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment. C'est des courtes vidéos, hein, ma foi, puisque je prends des, repas très courts. Maintenant, j'ai trop mangé. Ce qui veut dire aussi que je vais pas tarder à aller à la sieste. Puisque mamie, une fois qu'elle a mangé, elle doit faire dodo. Et mais j'espère que ça vous aura plu, vu que c'est vous qui l'avez choisi. Et je sais pas quand est-ce qu'il y aura le prochain. J'ai pas fixé vraiment de... J'avais dit une fois par mois, mais là, je vous en ai pas fait depuis... 3 mois, je crois, 2 ou 3 mois. C'est vraiment quand ça me toque, en fait, quand j'ai envie. Après, je sais pas trop quel sujet aborder pendant que je mange. Ça me fait du bien de pas manger toute seule, mais du coup, j'ai pas de quoi parler, puisque personne me lance un sujet de conversation, vous voyez. J'ai pas de problème pour parler, en règle générale, hein, mais c'est pour trouver le sujet. Là, c'est bon que j'avais... Il fallait que je vous explique pour mon PC, dans une vidéo plus courte que les vlogs, puisque les vlogs, tout le monde ne les regarde pas. Quoi que vous êtes nombreux à les regarder, et que ça vous plaît toujours autant, je suis contente, parce que j'ai mis vraiment le temps, je voulais vraiment pas en faire, et puis vous m'avez donné goût. Quand j'ai voulu vous faire la surprise à Noël, là, ça m'a tellement plu de les faire que maintenant, bah, j'arrête plus. Voilà. J'ai l'impression, le week-end par exemple, c'est super long, vous me manquez, parce que je vous prends pas avec moi, vu que je fais du lundi au vendredi. Donc après, je m'ennuie après vous le week-end, parce que je vous parle pas pendant ce temps-là. Après, avec tout le monde à la maison, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un autre sujet ça. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Donc voilà, prochain mukbang, je ne sais pas du tout vous dire quand il sera, mais ça sera quand ça me toquera ou quand vous me le demanderez trop, voilà. Et donc on se retrouve de toute façon tous les jours de cette semaine encore. Après on va se calmer un peu, hein. Mais avec les swatchs et make-up des palettes, bah, de toute façon vous verrez ça à partir de demain. Et donc c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est les palettes. Et samedi, je ne sais plus. Hein, je ne sais plus c'est quoi. Enfin bref, et puis dimanche, le weekly vlog. Voilà. Donc En attendant, demain, moi je vous dis bisous bisous.